Beau Danube, le numéro 3 qui s'est rapproché maintenant et qui prend l'avantage. En deuxième position se trouve côté corde le numéro 8, Pissenko. Parchimbault, le numéro 13, est troisième. Avec à son intérieur la présence du numéro 5, il s'agit de Sunney. Poly Tiger qui suit le mouvement au centre, accompagné par Veste des Lunes, le numéro 7. Diamant Catalan, le numéro 11, étant toujours côté corde. Avec également Monsieur Olivier qui vient à son extérieur. Balotin, le favori, patiente toujours à l'arrière, aux côtés du numéro 9, Orpen La Hutte. Prince Sumitas, le 12, est en avant-dernière position. Et c'est le 6, Sun Eagle, qui ferme la marche. Ils sont maintenant à un tour du but. Et sous l'impulsion toujours de Kisenko, le numéro 8, la deuxième place occupée par le 3, Beau Danube. En troisième position, galope le numéro 13, le Parchimbault. La quatrième place, côté corps pour le numéro 5, le Sunday, lequel précède le numéro 7, Best des Dunes. Nous avons ensuite le numéro 11, Diamant Catalan. Quant au favori, patiente toujours dans le dernier tiers du peloton, c'est le numéro 10, Balotin. Avec Pissenko, le numéro 8, qui a repris le meilleur au numéro 3, Beau Danube. En troisième position se trouve toujours le numéro 13, Parchimbault. Sunday, le numéro 5 et 4e. Veste des Lunes vient à son extérieur, avec ensuite la présence de Poly Tiger. Orpen La Hutte, le numéro 9, qui est toujours au centre. Balotin, le favori, qui commence à faire mouvement maintenant et à quitter l'arrière-garde. Alors que nous retrouvons également parmi les derniers le numéro 12, Prince Sumitas. Également le numéro 2, Monsieur Oliver, et toujours le 6, Sun Eagle, qui ferme la marche. Oui, qui est lâché d'ailleurs par le peloton. Il est très très loin, Sun Eagle. Direction le tournant final, sous l'impulsion toujours du numéro 8, Pissenko, qui a l'avantage depuis le début. La deuxième place pour le numéro 3, Beau Danube. En troisième position vient le numéro 13, Parchimbault. Toujours le numéro 5, Sunday, qui est en quatrième position. Il précède le numéro 1, Poly Tiger. Quant au favori, il a légèrement amélioré sa position. Le favori, c'est le numéro 10, Balotin. Il est pour le moment 6-7e. On a vu le numéro 7, Veste des Lunes, être contrarié pour aborder le tournant final. Pissenko, lui, ça va toujours aussi bien pour lui. Il a l'avantage, confié à Erwan Chazel. En deuxième position se trouve le numéro 3, Beau Danube. Parchimbault, le numéro 13, est 3e. Devant le favori, Balotin, maintenant, qui se rapproche avec d'évidentes ressources. Poly Tiger est un peu plus loin. Devant également Prince Sumitas, le numéro 12, qui refait du terrain. Avec Pissenko, le numéro 8, qui tente de partir de loin. Maintenant, il possède encore 3 ou 4 longueurs d'avance sur le numéro 3, Beau Danube. Balotin a confié à Vincent Chemilo. Maintenant, refait mètre après mètre. Et Pissenko possède toujours une confortable avance. Maintenant, au moment où ils vont sauter la dernière ruée du parcours. Beau Danube est en deuxième position devant Balotin. Et Parchimbault, le numéro 13, qui est en quatrième position. Pissenko, le numéro 8, qui a toujours le meilleur, bien que penchant légèrement sur sa gauche, il va tenter de conserver son avantage à 100 mètres du poteau. C'est fait pour le numéro 8, Pissenko, qui s'impose de bout en bout dès ses débuts en obstacle. Deuxième place pour le numéro 10, le favori, Balotin. La troisième place pour le numéro 3, Beau Danube. Et côté corde, c'est le 11, Diamant Catalan, qui est quatrième. 8, 10, 3, 11 et 13. Voilà l'arrivée de la sixième course. Victoire pour le numéro 8, Pissenko, qui s'impose comme un grand, même s'il a traversé la piste après le saut de la dernière haie. Le favori, le numéro 10, Balotin, est accrédité d'un bon dernier kilomètre. Une tentative de début en obstacle très prometteuse le concernant. Beau Danube, le 3 et 3e. Quatrième place pour le 11, Diamant Catalan, qui finit bien en retrait. Et la cinquième place pour le numéro 13, le Parchimbault. 8, 10, 3. 11 et 13, on a vu un lot de poules intéressant, me semble-t-il, là, à l'occasion de ce peloton A du prix du Douai, avec...